Bonjour à tous, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Ma palle se pèse. Alors pour être honnête avec vous, et comme je l'ai mis sur mon compte Twitter, si vous avez vu avant de visionner cette vidéo, oui, pour être très honnête, je pensais que j'achèterais qu'un seul livre durant ce mois de janvier. Bon, éventuellement deux, enfin oui, il y a eu le roman de Isabelle Carré. Mais comme il y a un côté, autobiographique, enfin, bon, vous avez pu le voir sur mon compte, j'allais dire Instagram, oui, parce que pour moi, Twitter, c'est un peu mon compte Instagram, voilà, je publie les photos des boissons que je bois à French Coffee Shop, des magazines, livres autres que romans que j'achète. Donc, éventuellement, oui, je me disais, ouais, j'achèterai deux livres. En fait, une chose en emmenait une autre et j'ai plus de deux livres à vous présenter, enfin deux livres. Non, je ne vais pas vous présenter le roman d'Isabelle Carré. Enfin bon, bref, donc voilà, ça m'a tellement fait sourire que finalement bah, j'avais plus de livres que ça à vous présenter que j'ai pris en photo, je les ai pris en photo et vous avez peut-être pu le voir si vous me suivez sur Twitter avant de voir cette vidéo. Donc voilà, vous avez pu avoir un aperçu. Bon allez, c'est parti parce que j'ai plein de petites anecdotes comme d'habitude à vous dire. Alors, le premier roman que j'ai acquis, et en l'occurrence réceptionné, puisque je l'ai acquis sur Price Minister et je l'ai réceptionné le jeudi 4 janvier. Donc c'est le Suspense de Sébastien Fitzek, donc le Somnambule. Donc je vous rappelle, je l'ai acquis donc sur, Price Minister et donc je l'ai réceptionné le jeudi 4 janvier. Ensuite, le vendredi 5 janvier, j'ai refait, oui, parce que là pendant le rush de Noël et tout ça, ils n'avaient pas eu. Scusa. Oui, c'est bon, scusa. C'est plus fort que moi. Scusa. Oui, donc pendant le rush de Noël, la librairie du Hérisson n'avait plus trop le temps de confectionner leur pochette, que j'adore. Et là, le vendredi 5 janvier, donc je suis allée faire un petit tour, tout ça. Je me suis dit, bon, allez, je vais quand même aller voir. Ah, j'étais trop contente, le panier était rempli. Oh, c'était bello, parce que c'est les pochettes sont plusieurs couleurs. Il y a bleu, pas nuit, mais bleu foncé pour le thriller. Il y a rose pour romance, il y a orange pour une bonne raison d'hiberner et vert pour... tu vas faire des envieux, tout ça. Alors c'était rempli, tout ça. Ah, bello, tout ça. Et donc j'ai pris deux bleus, si je me trompe pas. Oui, enfin bon, bref. Donc ça c'était le vendredi 5 janvier. Et donc je suis contente de... Bah oui, parce que comme je vous dis, des fois, soit, bon, ça m'arrive pas, mais des fois je peux tomber sur un livre que j'ai déjà, que ça a été le cas pour Maudit Karma. Et il y en a un autre aussi, mais je vous raconterai après. Et puis, bah, des fois, bah, non, malheureusement, ils ne me plaisent pas. Enfin, bon, bref, bah, heureusement, je mets sur ma boutique Price Minister et j'ai des ventes. Enfin, oui, j'ai des ventes. Mais là, ça m'a plu. Donc, je suis tombée sur le roman de... oui, mais c'était un thriller. Bon, bref, je ne sais plus. Donc, sur le roman de Léonore de Récondo, Amour. Et en plus j'ai pensé à Margot. Parce que je sais qu'elle l'a, alors je savais plus si elle l'avait dans sa palle, mais non, il est toujours dans sa wishlist. Donc voilà, je suis tombée donc sur ce livre-là. Et sur le roman de Sophie Aubard, Pas de deux. Voilà. Et comme d'habitude, bon, en fait, quand les livres me plaisent, donc je ne vous les présente pas sur mon compte Twitter, et donc je vous présente seulement donc les goodies que j'ai eus. Donc vous avez pu voir les goodies qu'il y avait, donc... si vous suivez mon compte Twitter. Ensuite, donc ce même jour, le vendredi 5 janvier, j'ai dîné chez mon amie Stéphanie, que j'embrasse, si à tout hasard tu regardes cette vidéo. Et en fait, on avait prévu de se faire un petit repas avant Noël, et bon, il y a eu des imprévus dans sa vie personnelle. Et finalement, bah, on a fait ce repas, donc le vendredi 5 janvier au soir. Il y avait une atmosphère agréable parce que voilà, on avait passé les fêtes de fin d'année, le premier de l'an, et là il y avait toujours le sapin, tout ça, avec les cadeaux au pied du sapin. Ah,
Et donc, elle m'a offert. Bon, je lui avais demandé. Donc, elle m'a offert Instinctivement, j'ai pensé à ce moment-là, j'aurais pu en prendre d'autres. Il y en a d'autres dans ma wishlist, bien évidemment, qui me tentent. Mais en fait, comme dernièrement, j'avais trouvé le compte Twitter de Jean-Noël Ciarini, instinctivement, bah, je me suis dit, bon, offre-moi son livre. Donc, un de ses livres, moi, celui-là qui était dans ma wishlist. Donc, c'est Autopsie d'un papillon, donc de Jean-Noël Ciarini. Et elle avait pris des marque-pages, donc oui, elle les a acquis à la librairie du Hérisson, parce que la librairie des écoles ne font pas ces marque-pages. Donc c'est de Jane Crowther. Donc ils sont assez connus, ceux-là, avec les chats, tout ça, en plus les chats noirs, comme j'adore. Et elle m'avait, donc, ah, je suis accro, je suis accro. Enfin, quoique là, c'est vrai qu'ils en ont fait, mais j'en achète moins. Enfin, bon, bref. Donc, elle m'avait pris une pochette surprise, donc de la librairie du Hérisson. Elle m'avait pris une bonne raison d'hiberner, et je suis tombée. Donc, je connaissais, c'est vrai que jusqu'ici, c'est ça qui a son charme. C'est un peu comme, tout d'un coup, je pense à Les Annuaires du cinéma. Ça me permet de redécouvrir un film que. Quand c'était sorti, ça me tentait pas, tout ça, j'avais pas, voilà, je m'étais pas, comment dire, arrêté dessus pour bien lire le résumé. Donc je connaissais, je sais que c'est une série, je crois, qu'a fait, donc Aurélie Vallone. Donc je suis tombée sur Mémé dans les orties, donc d'Aurélie Vallone. Donc voilà, je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Donc je l'ai gardé, et donc elle m'avait. Donc j'ai mis le deuxième marque-page qu'elle m'a offert. Donc voilà, toujours de Jane Crowther. Voilà, donc ça c'était mes acquisitions, cadeaux du vendredi 5 janvier. Ensuite, oui, j'ai la petite anti-sèche, faut pas que j'oublie. Donc ça c'est. Ah, ensuite, alors le samedi 6 janvier. J'ai réceptionné une autre commande de Priestminster. Donc, il s'agit du roman de Jean-Marie Laclavetine, et j'ai su que ce trésor était pour moi. Et en petite anecdote, oui, je ne vous le précise pas parce que c'est écrit dans mon cahier, mais je perdrai trop de temps, peut-être que vous n'en avez rien à faire. Mais là, je sais pas, j'ai envie de vous dire qu'en petite anecdote, je l'ai découvert dans le magazine Page des libraires, que j'adore ce magazine, et il me tarde à chaque fois de. Ah, vivement le prochain, vivement le prochain! Mais j'attends qu'il y ait une. En fait, j'hésitais à m'abonner avec le magazine Flow, mais finalement, ma mère m'a offert. Pour mon cadeau de Noël, le magazine Flo, et puis finalement je me dis non, bon, le plaisir de l'acheter à la librairie du Hérisson, Page des libraires, mais sérieusement, si dans. Parce que souvent c'est un livre qu'ils proposent pour quand on s'abonne, si le livre il me tente, voilà, je vais m'abonner. Enfin bon, bref, voilà pour la petite anecdote, ne me raconte pas ta vie. Donc voilà, je l'ai découvert dans Page des libraires et je l'ai donc commandé sur Priestminster et je l'ai réceptionné le samedi 6 janvier. Donc, et j'ai su que ce trésor était pour moi de Jean-Marie Laclavetine. Alors ensuite, ah oui, ensuite donc pareil, ce samedi 6 janvier. Donc après, je suis allée faire, oui, parce que c'était l'anniversaire de ma mère, tout ça, on l'a fêté. Donc voilà, c'était super. Enfin bon, bref, et après j'avais envie de prendre l'air, digérer du bon repas qu'on a fait. Et donc je suis allée à la librairie des écoles parce que j'avais commandé le roman de David Funkinos, Le mystère Henri Pic. Et je connaissais voilà, c'est toujours comme ça. Je connaissais ce roman parce que David Funkinos, voilà, il s'est fait quand même un nom. Et je connaissais ce roman, mais. Il m'avait jamais attiré, tout ça. Et encore une fois, ça m'embête parce que bon, on est tous finalement un peu superficiels par rapport aux couvertures. Et en fait, donc il est sorti chez Folio. Et il y a quelqu'un sur Livradi qui a créé sa fiche avec donc la couverture de Folio. Et tout de suite, j'ai reconnu. J'ai mis un doute à un moment et bon, j'ai quand même vérifié, mais oui, c'est bien. Puis d'ailleurs, ça doit être précisé. Oui. Ah, il y a un fil. C'est bien Soledad Pravi qui a illustré donc la couverture. Et ça m'a. Je suis pas fan de Soledad Pravi. Hein. Non, non, mais c'est. Voilà, je trouve. Il y a un certain charme dans. Bah, attendez, avec le bandeau, là, peut-être que vous allez rien voir. Donc voilà, il y a un certain charme dans son travail. Et tout de suite, donc ça m'a attiré. Donc j'ai pris connaissance du roman
de David Fonkino. Je l'ai pas acheté uniquement pour la couverture. Et voilà, le résumé m'a enthousiasmé. Donc, je l'ai commandé à la librairie des écoles. Et je suis allée le chercher donc le samedi 6 janvier. Bon, je remettrai le bandeau plus tard. Ensuite, oui, bah oui, finalement. Alors, ensuite, nous avons le dernier roman de... Comment ? Scusa, j'avais oublié ton prénom. Jean-Philippe Blondel, donc La mise à nu. Oui, comme là, ces derniers romans, pourtant des fois je me dis, oh, eh non, non. Pourtant c'est, je ne considère pas comme mon auteur préféré parce que je n'ai lu aucun roman de... c'est crazy. Je ne sais pas comment on dit fou, il faut que j'apprenne l'italien. J'ai des petits mots comme ça, enfin bon bref, mélange d'italien, anglais. Oui, c'est complètement dingue, j'ai plein de... C'est peut-être un des auteurs que j'ai le plus de romans de lui dans ma page. Je crois que j'ai plus de romans de lui que de Jérôme, enfin bon bref. Et à chaque fois, le résumé de son dernier livre me plaît. Donc voilà, et encore celui-ci, j'ai découvert sur son... Des fois, je regarde comme ça sur des sites, tout ça. Mais là, c'est sur sa page Facebook. Je sais pas comment c'est venu, enfin bon, bref. J'ai vu qu'il avait sorti un nouveau livre. Donc j'ai pris connaissance de son résumé. Et encore une fois, voilà, ça m'a enthousiasmée. Donc encore une fois, je l'ai précommandé. C'est vrai que bon, vu la couverture... Bon, je me disais, est-ce que j'attends... parce que c'est Pocket qui... Ouais, ou le livre de poche, enfin je sais plus, des deux qui rééditent ces livres. Et la couverture, c'est vrai, sont assez jolies. Je vois celle de... Ah, quoique, elle est pas mal, Un hiver à Paris de... Je sais plus quelle maison d'édition. Il est par là, le livre, enfin bon, bref. Non, mais je me suis dit, non, j'ai pas envie d'attendre, tant pis, hein, je le prends, voilà, quoi. Enfin bon, bref. Donc voilà, je l'ai commandé à la librairie des écoles et je suis allée chercher, donc idem, le samedi 6 janvier. Alors attention, alors là c'est l'événement du mois, roulement de tambour, enfin bon bref. Alors, en fait, non, bon, avant, gardons le suspense, il y a un autre livre que je vais vous présenter. Scusa. Donc je l'ai acheté, voilà, c'est un livre qui, ça fait un moment que ça me tentait, je n'arrivais pas à le trouver dans les librairies, parce que même à Orléans, tout ça, à la librairie Nouvelle-Orléans, parce qu'il m'avait dit que c'était un livre un peu psychologique, si je pourrais dire. C'est pas vraiment un roman, en fait. C'est l'auteur, voilà, elle raconte Chiara, la trentaine, donc c'est Chiara Gambeiral, donc 10 minutes par jour, donc Chiara, la trentaine pétillante, a tout pour être heureuse. Un mari parfait, une chronique qu'elle adore dans un journal, plusieurs best-sellers à son actif, bref, une vie de rêve jusqu'au jour où elle perd tout. Adieu mari volage, roman et certitude. Pour sortir de ses idées noires, Chiara accepte de relever le défi que sa psy lui propose. Chaque jour, pendant un mois, elle devra faire 10 minutes durant quelque chose de nouveau, d'anodin ou d'un peu fou. Et si une nouvelle vie surgissait de ce grand saut de l'inconnu. Donc vous voyez, il y a un côté autobiographique, donc c'est vrai, j'aurais pu faire comme le roman de... le livre de Isabelle Carré, le prendre en photo, mais là, je sais pas, j'ai noté, enfin bon, une chose en emmène une autre, enfin bon, bref. Le principal, c'est que vous voyez tous les livres que je me suis acquis et réceptionnés donc, durant le mois. Donc finalement, bah, je l'ai acheté sur Prisminister et je l'ai réceptionné le mardi 9 janvier. Et là, oui, il y a le sourire aux lèvres, c'est plus fort que moi. Donc oui, donc dans ma précédente vidéo, donc ma pale se pèse du mois de décembre, j'avais dit dans ma tête, voilà, c'était sûr qu'il allait y avoir un livre que j'allais acquérir. J'avais dit, si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez lequel livre je parle. Oh, allez, viens là, toi, oh, mon précieux. Donc il s'agit, on se calme, il s'agit du dernier roman de Jérôme Lambert, donc Chambre simple. Et voilà, il m'en avait parlé quand j'étais allée le voir à Saint-Maur, donc en juin dernier. Il m'avait dit qu'il y avait une autre maison d'édition, parce que voilà, ces romans sont publiés à l'École des loisirs et à l'édition de l'Olivier. Et il m'avait dit qu'il y avait une autre maison d'édition qui allait publier son prochain roman. Alors moi, et en même temps il m'avait dit aussi,
que, comme il avait fait une erreur dans Le Retour du Jeudi, son personnage, au lieu de l'appeler Lucien, il a mis Julien. Donc, l'école des loisirs, ils vont le rééditer. Et en même temps, ils vont ressortir avec des nouvelles couvertures. Oh, il me tarde de les voir, surtout que la réédition des couvertures d'école des loisirs, la plupart du temps, me plaisent. J'aurais presque envie de me racheter le livre, rien que pour leur couverture. Enfin, bon, bref. Donc, moi, j'avais plus retenu ça. J'avais plus retenu le fait que l'école des loisirs allait rééditer les aventures de Lucien, comme je l'appelle, donc voilà, avec les nouvelles couvertures. Et là, qu'est-ce que je vois? Donc je sais plus, mais ça a été toute une chronologie que vous avez pu suivre sur mon compte Twitter. Qu'est-ce que je vois? Oh, Jérôme Lambert qui a sorti un nouveau livre. Oh, donc ça s'appelle Shampoo Simple. Donc c'est à l'édition L'Iconoclaste. Et j'ai suivi tous les jours, j'allais faire des recherches sur le site d'édition de L'Iconoclaste. Sur des sites, tout ça, j'ai pris connaissance du résumé, j'ai pris connaissance de la couverture, tout ça, et donc, mais j'ai su, la première information que j'ai su, c'est qu'il sortait le 3 janvier, donc j'en parlais avec la libraire de la librairie des écoles, tout ça, lui demandant si elle recevait des livres de l'édition L'Iconoclaste, tout ça, et puis voilà, j'en parlais, tout ça, machin, machin, et donc je l'ai précommandé. Parce qu'en fait, ma mère, elle me disait, t'es sûre qu'ils vont l'avoir, tout ça. Après, je me disais, est-ce que je reste fidèle à la librairie des écoles ou est-ce que je vais aller l'acheter à Orléans, à Nouvelle-Orléans, à la librairie Nouvelle-Orléans ou la librairie des écoles. Enfin, bon, bref. Finalement,